Nous c'est Marchandises en Haïti. Quel que soit côté information, nous pouvons chercher pour le baou Jean Lia. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Dépendamment de l'heure, vous pouvez regarder la vidéo ça. Et pas oublier qu'on se maman Pemba qui c'est Marchandises en Haïti. Jeudi, c'est mercredi 17 juillet 2021. Information nous portée pour vous, c'est confirmé que président pays Jovenel Moïse assassiné la Kaili Matin en Pèlerin 5 matin mercredi 7 juillet 2021. Selon information yo, madame Li Martine Moïse avec plusieurs policiers blessés en babal a prend soin que Kayo nécessité l'hôpital. Premier ministre Ayan Claude Joseph qui confirmé nouvelle là sur une station dans capitale de Caraïbe fait connaître. C'est un latrier individu armé jusqu'au dents qui parle espagnol, anglais, qui fait Zach malhonnête si là. Donc, il n'y a pas trop de détails sur l'assassinat là. Chef gouvernement, ma dépopulation, était calme parce que le pays est sous contrôle. Sécurité, grâce à l'armée et puis la police, dans les vidéos, condamné crime si là. Donc, mes amis, bagaille grave. Bagaille grave, non seulement yo grave, yo plus que grave. Nous allons inviter autant de PM Ayan Claude Joseph qui t'a confirmé information si là matin. Groupe monde ne pas identifié. Là dans nous vient parler espagnol, vient parler anglais. Il a été évidence présenté depuis là. Président a été succombé à la fissure. Madame président est présentement à prendre soin de la nécessité parce que lui-même tout il était pour un bal. Présentement, moi-même comme premier ministre a dit, moi avec CSPN, moi voulais faire un appel à la population. Parce que nous condamnons d'abord acte, nous capable de dire barbare, assassinat président, mais moi voulais faire un appel au calme, à la population, accompagné du reste de CSPN que nous avons là avec DG Léon Charles. Ministre intérieur, et pour me citer ça seulement. Situation sécurité pays, elle est déjà sous contrôle. La police, présentement, est sous contrôle une bonne partie de la Pétionville, en bas de la ville, à Paris National. Et force armée d'Haïti a toujours campé. Donc, ça me garantit, non, c'est que continuité d'État l'a assurée et nous voulons toute force de la nation. Mettez ensemble pour nous condamner à ça et chuter ensemble. Pour nous comprendre que le pays n'a pas qu'à là. Parce que c'est de blancs, monde étranger, qui vient assassiner un président en fonction. Donc, ça, c'est un appel et pour demander toute force, toute partie politique dans le pays, condamner à ça, à criminel ça, à barbare ça. Nous voulons encore une fois faire un appel à la population au calme. Situation sous contrôle. Moi-même, comme Premier ministre en fonction, on va nous garantir que la continuité de l'État sera assurée. Qu'en est-il de l'autre monde qui était dans Kaila, une famille présidentielle là, on parlait seulement de madame et madame première dame, non, bon, président oui. Et puis, concernant agent sécurité qui tape sécurisé Kaila. Ici, président en sécurité. Madame Président a pris soin de la nécessité. Présentement, CSPN est réuni pour y avoir une situation pays sous contrôle parce que c'est la démocratie, c'est la République qui peut porter victoire. Combien de membres de la famille présidentielle là qui étaient dans la résidence là? Malheureusement, je n'ai pas trop d'informations. Je vais faire déclaration à boxer et je vais vous garantir, ou même qui n'a dit que la situation est sous contrôle. Parce que moi, présentement, avec le CSPN, on a réuni pour nous prendre toutes les mesures qui s'imposent et garantir la continuité de l'État. Merci un peu. On y a un côté cadavre, chef d'État. Qu'est-ce que tu as fait? Premier ministre. Donc, voilà, donc, en tout cas, en déclaration, peut-être tout court, nous connaissons les situations, ça autour, il m'a dit un peu de précautions, un peu de prudence par rapport à ça qui a diffusé comme information. Et il y a peut-être un peu de coup de fil qui peut faire des décisions qui peuvent prendre. Donc, nous avons compris ça. Mais ça nous doit confirmer, bon, c'est que le président est mort et madame président est blessée, la poste de voix soin. Et maintenant, peut-être qu'il y a d'autres informations, soit en sécurité, soit le groupe, on ne veut pas identifier.
La dan yo gen pale espanyol, gen pale anglais, yo a tete yon vizyans prezen republik la, prezen an besi, supombe, karate sur. Madame prezident, yon prezentman pran soin ke kal nekosite, paske li menm tou li te pran bal. Prezentman, mwen menm kom premier ministre a di, mwen avek CSPN lan, mwen vle fè mwen apel a la populasyon, paske nou kondane d'abord acte, nous étions capables de dire barbare, assassiner un président, mais on voulait son appel au calme, à la population, accompagné du reste et de CSPN que nous avons là avec DG Léon Charles, ministre intérieur, et pour me citer ça seulement. Situation sécurité pays, elle est déjà sous contrôle, la police présentement est sous contrôle. Un bon parti dans Pétionville, en bas la ville, à la nationale. Et Force armée d'Haïti a toujours campé. Donc, ça nous a garanti, nous, c'est que continuité d'État l'a assuré. Et nous, voulons toute force de nation, hein, mettez ensemble pour nous condamner à ça et chuter ensemble pour nous comprendre que le pays n'a pas là. Parce que c'est de blanc, monde étranger, qui vient assassiner un président en fonction. Donc ça c'est un appel et pour demander toute force, toute parti politique dans le pays, condamné à ça, à criminel ça, à barbare ça. Nous voulons encore une fois faire un appel à la population au calme. Situation sous contrôle. Moi-même, comme premier ministre en fonction, on va nous garantir que la continuité de l'État sera assurée. Qu'en est-il de l'autre monde qui était dans Kaila, une famille présidentielle là, on parlait seulement de madame et madame première dame, non, bon, président Moui. Et puis, concernant agent sécurité qui tape sécurisé Kaila. Petit président en sécurité, madame président a pris soin de calme nécessité. Présentement, CSPN est réuni. Pour qu'il y ait une situation pays sous contrôle, parce que c'est démocratie, c'est république là qui pour porter victoire. Combien de membres de la famille présidentielle là qui étaient dans la résidence là? Malheureusement, je n'ai pas trop d'informations. Je devrais faire déclaration ça à boxer. Et je voulais pour garantir ou même qui n'a dit que la situation sous contrôle, parce que moi présentement avec le CSPN, on a réuni pour nous pour toutes les mesures qui s'imposent. Et garantir la continuité de l'État. Merci à tous. On y a à côté cadavre chef d'État. Constat fait. Premier ministre. Donc voilà, donc Jean-Louis Quint était en tout cas en déclaration. Peut-être tout court, nous connaissons la situation, ça autour, il m'a dit en pile précaution, en pile prudence par rapport à ça qui a diffusé comme information. Et il y a peut-être un peu de fil qui peut faire des décisions qui peut prendre. Donc nous avons compris ça. Mais ça nous pouvait confirmer bon, c'est que le président est mort et madame président l'a blessé la poste de voie soin. Et maintenant peut-être qu'il y a d'autres informations sur la sécurité, sur le. Donc, j'ai un tap tande assez comme ça, président Jovenel Moïse, li mouri, assassiné la Kaili. Donc, bagay yo vraiment grave, mes amis. Donc, ou même kap tande information ça, ou confirmer que président mouri, quitte Mopao en bas commenté. Dis ou qui ça, ou pensez qui pral passe dans le pays d'Haïti. Et c'est, donc, pas première fois yo assassiné un président, mais, donc, Jean bagay la passe là. Donc c'est première fois dans temps moderne après 87 que ont touyé un président sous pouvoir et ceci là Kaili c'est étranger qui touyé. Bagay vraiment grave mes amis. Donc rendez-vous plus tard ou bien tout à l'heure comme ça pour l'information sous moment Pemba Machanzin Haïti.